nous présents, côté nous venons représenter Haïti dans une foire et festival international. Alors, il y a un bagage que nous allons faire là qui est très important. Et Volsi, Volsi, je se présente sur la plateforme là encore. Bon, je déjà mettre Léona show. Bamoura et Léona, tout le monde. Tout le monde qui est en connaît. Bamoura et Léona, c'est Anthony qui manque là. Exactement. Anthony qui manque là. Mais la vine, la pour jouer. Nous allons présenter Mounio espace là et nous allons passer visiter et différents stands qui sont dedans et pays qui sont présents là, qui sont installés là, qui sont vraiment intéressants. Voilà. Là, nous déjà là. Et avant même, pour nous continuer pour Mounio. C'est dans quelle ville nous y est là, Volsi? Nous trouvons dans Aguascalientes. Aguascalientes, si nous situé par rapport à la capitale là, que tout le monde connaît, il est plus ou moins à 5 heures et demi. Ça va dépendre de la capitale là, soit bien dans la machine privée, bien entendu. Ah. Donc, nous dans Aguascalientes. Aguascalientes, c'est une ville qui est assez développée. C'est grand pile haïtien qui travaille là tout. Qui est une petite classe communauté. Oui, dit parce que c'est une zone industrielle. Voilà. Haïti, quand il y a un haïtien qui a fait déboucher là. Donc, actuellement, là, il est midi et demi pour nous. Yeah. Et le festival a commencé formellement à 6h, 6h du soir. Jeudi, c'est le premier jour. Jeudi, c'est le premier jour. Ça veut dire là, pratiquement, nous pouvons voir que il y a un mouvement, il y a des gens qui installent les stands. Il y a des gens qui ont arrangé, qui ont fait des décorations pour faire préparatif pour plus tard. Nous allons passer visiter pour nous voir exactement qui ça a exposé aujourd'hui, à chaque pays qui ça a exposé. Ouais. Ça, c'est la troisième édition hein? Et c'est la première fois que nous venons participer. C'est la première fois que nous venons. C'est et Aguascalientes, est-ce que c'est non-État ou bien non-ville là? Non, Aguascalientes, c'est non-État. Okay? Mais ville là, qui c'est villa, capitale villa État. Ville là, tout est le même genre avec l'État. Même genre avec lui. Exactement. Mais on allez, on est en train dedans pour nous voir exactement. Okay? Qui ça qui n'a joué? On va regarder en cette langue qui ça qui gagne là-dedans, comment il se passe là. Alors, ça, nous sommes dans le centre de conventions et expositions. Il y a un bâtiment spécialement pour exposer culture, pas seulement mexicaine, mais aussi. Ouais. Là, il fait concert, il fait l'autre série d'activités. Et normalement, cette langue est tellement gros. Donc, des fois, il y a plusieurs événements qui font en même temps. En même temps. Alors, aujourd'hui, là, pendant l'événement, ça fait là, il y a deux autres événements tout, qui font parallèlement ensemble. Mais ce n'est pas dans le même espace. C'est pas dans le même espace. Ok, espace, ça, c'est pour exposition. Exactement. International, là. Ça. Partie ça encore, c'est l'autre. Pas l'autre événement, et puis pas derrière, à tout, il y a l'autre événement. Intéressant, hein? Donc, c'est un paysage là, là, très intéressant. Yeah, vraiment, vraiment belle. Ça nous dit, Mounio. Qui dit un commentaire, hein? Donc, nous, dans Aguascalientes. 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 Yeah. Ici, là, j'en dis à un minimum, oui. Et communauté haïtienne qui trouve. Bah, bah, est-ce qu'il y a au courant? Il y a au courant, et bien entendu, il y a au courant là, il y a venu participer avec nous. Très intéressant. Vous avez une connexion ici, là, tout? Oui, j'ai une connexion. Bon, j'ai une connexion presque. On dit, bon, moi, j'ai une connexion presque dans tout le pays. Voilà. Ou même personnellement, ça, c'est 26e état. 26e état personnellement que m'a connait Mexique. Qui va connait dans 32 état parce que fait tout là. Non, presse, si combien état m'a connait là moi-même. Mon connait Nuevo León qui c'est 1 Chiapas 2. Mm-hmm. Et état Mexico a fait 3. Ça fait 4. 5 avec Querétaro. Oui. Oui, on va avancer assez bien. C'est sérieux là. Même passer dans l'autre état mais m'a considéré yon expérience dans l'autre état si les m'rété font jour des jours là. Ça comme passer Tabasco même. Ok, je connais tout cela qui fait le 6e état. Tout cela, ok. Parce que je fais une semaine, tout cela. Ah non, il va 6e état. Tout cela, toujours, tu y passes. Exactement. Non, 5 états, je connais bon, déjà. Là, si nous avons fait un campé là, partie ça, c'est côté et les gens qui viennent, ils ne sont pas qui, pas derrière là. Ça ne pas qui derrière là. Ou sont architectes. Oui, voilà. Comment vous êtes architecture? Bon, là, là, vraiment intéressant. Style là, son style presque brutaliste. Si il y a un architecte qui attend de nous, et brutaliste qui combine ensemble avec ton moderne. Non? Avait dit gain quelques éléments qui vraiment modernes par exemple ça c'est et son type de lamina on a fait un gars font un petit bail pour nous là ça son type de lamina et c'est ça semble un est-ce que son marmol ou bien non il pas marmol il pas marmol il pas marmol c'est un cousson tôle disons mais il gain un acabado
et Akabado c'est pas connait le thème là non exactement ou bien mal qui vient bal titon couleur ça elle gagne là OK qui fait le paraître comme céramique mais son aluminium un bel projet qui là aluminium dit ouais. Aluminium là non gagne bon gagne bon petit gagne bon et bien on rentre dedans et OK comment tu es capable briller les gens des véhicules ça ou? Bon ça c'est des classiques c'est des classiques. Par exemple, là, il y a un événement qui est vraiment spécial. Donc, c'est une machine ça, qui comme si mène Mounio, parce qu'en dedans, l'espace là est vraiment grand. Il est vraiment grand. Ça veut dire mène Mounio. Mène Mounio. On va faire un petit camper devant. On va me dire, on va camper pour me dire, non, tu es. La pont au Libla. On raille la pont là-dedans. La pont raille. Mais moi, j'ai un petit genre moderne. Il y a fait le design. Ancien. Design ancien. Mais là, on a regardé des caoutchoucs, on a regardé des gentils. Ils sont modernes. Je ne peux pas venir dire que ça s'est bien quitté là depuis 1900 combien. Mais oui, intéressant. Pas bien ça. Oui, vraiment intéressant. Alors, nous, là, je dis à là, nous allons continuer en dedans pour aller visiter stand côté Mounio. Comment Mounio a pas avancé avec le préparatif? Qui pays présent tout? Qui pays qui présent? Qui pays présent? Bien. Indépendamment de quantité de pays présents, ce qui est important, c'est que Haïti présent. Donc, yeah, si Haïti présent, importe, Haïti présent, donc, ou même qui a une chance, qui a une opportunité, viens font petit garder, viens font petit manger, un petit manger haïtien, viens bon petit prestige, viens bon petit barbancou. Pas un produit qui est vraiment typique que nous pas forcément jouer au Mexique dans le mall générique. Yeah. Bientôt, nous allons pour nous annoncer la prochaine fois qu'on gagne. Ouais. Parce que c'est en avril. Pas, même si on va gagner chance venir dans fois ça, même penser année qu'a venir. Ouais, en avril, on a bien une fois qu'a fait. La toute fête Querétaro. Qu'a fait Querétaro qui encore plus près capitale là qui c'est capital tout simplement 2 heures de temps et demi. Il y a bien plus pays présent. Ouais. Parce que dis moi qu'on participe là dans déjà gagner on gagne plus que 60 pays. Ouais. OK. Génial. Là nous arrivons en dedans dans premier espace là. Oui, dans espace là. Toujours une architecture qui est vraiment belle, ça que moi nous capable garder là. Et il y en a un premier pays que nous voyons là, c'est la Turquie. La Turquie, il y a un artisanat. Il y a un artisanat et puis. Et partie ça tout, c'est artisanat. Nous, donc, bijouterie. Si nous regardons après, il y a des pays qui ont deux stands. Ça fait qu'il y a deux stands parce que il y a un stand côté représenté artisanat et il y a un autre stand côté représenté gastronomie. Yeah. Un petit poche pour nous regarder là exactement qui ça n'a pas là. Ça y a vendu en Turquie. Maquillage, même des produits cosmétiques là. Et tout ça n'a pas gardé là, représenter la Turquie. Ça veut dire si on monte habitué aller la Turquie, ou après là exactement, ou après que ou habitué ouais gens des habillements traditionnels, ça aussi tout est dans la Turquie. Ouais. Oh voilà, première fois m'a gardé, gardé bien pour nous là. Qui ça nous est là? Visage qui se produit ça? Ouais, c'est un arabe. Oui. Donc on sont arabes, c'est la Turquie. Ouais. Bah ils n'ont pas habitué. Ouais. Et on dit le 100% naturel. Là nous continuons rapide. Toujours la Turquie qui est dans la zone là. La Turquie, rad, bijoux. Bijoux. Ils mettent un pile bijoux. Là, nous arrivons, nous jouons Etatia parce qu'il a. Ouais. Alors, ce n'est pas seulement stand pays, mais il y a un stand qui est représentatif de l'État pays Mexique là. Voilà. Nous gagnons plusieurs États qui représentent Mexique parce que c'est la Cayo. Ouais, c'est la Cayo. Ok, ça nous gagne Chiapas. Chiapas, qui est Chiapas gagne là exactement? C'est plus artisanat. Artisanat, ok. C'est plus artisanat. Artisanat qui est au gain là. Et what ça me connaît Ambar. 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 Est Ambar, non? De Chiapas. Ambar de l'estado de Chiapas. Ok? Vraiment intéressant. Muchas gracias. On va avancer. Pas oublier ça, c'est premier jour. Ok, premier jour, ou même qu'on garde l'autre date, l'autre jour, c'est premier jour. Bien entendu, on nous dit que le festival là pour qu'on lance officiellement, non? Non, il faut qu'on lance, mais on a fait... De Haïti. Haïti. Si, Haïti. Et vamos estar aquí a su lado. Si, estamos cerca. Adelante. Si, adelante. El cristal de Bohemia es entre los mejores del mundo porque es tan duro que puede ser cortado como diamante. Ok. Que solamente un diamante soporta. Okay. Es extraído de la región montañosa de Bohemia, que se encuentra al norte de República Checa, colinda con Alemania, Polonia, Austria. Okay. Bienvenidos a todos los niños que quieran tener información del país. Bienvenidos a todos los que van a viajar. Tenemos información que la embajada da Para que puedan
visitar, saber que tenemos recorridos turísticos. Ok. Tenemos mucha información. Qué amable, Qué amable. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Continuar, dis-moi, s'il vous plaît. Alors, ça, dame, non, en général, c'est que cristal qui gagne, cristal que y a dans la République tchèque là, c'est un cristal qui est dur dans tout le monde là. Donc, yo même comparé avec diamant qui c'est un roche qui est vraiment dur. Et non seulement ça, tout ça qui est intéressant, c'est que yo même, yo pas seulement gagné et disons artisanat que comme s'il y a vendre, mais sinon, yo gagne des informations touristiques lors approcher et standant, yo cadre comme ça mais qui retourne aller, avait dit yo. Ouais, mais là regardez des images là. Des agences des images des pays là. Exactement. République et comment les République tchèque. République tchèque, voilà. On continue rapide, ok? Continue. Nous va faire vidéo à trop long pour mounio. Là nous gagnons Union Africaine. Vous t'as parlé, monsieur, bah, monsieur designer. Monsieur c'est designer, monsieur c'est tout Togo. Tout ça aussi, lui-même qui fait, monsieur c'est Togo. C'est monsieur qui fait tout bas, ça. Monsieur parle français, donc là pour parler avec peuple là. Français créole, mais ça n'a mon oui, voilà. Et on quitte l'interview pour après, nous juste présenter voilà. Stanley, ok? Yeah. Interview, on a quitté pour après. Voilà, nous gagnons tout design ça là. Et monsieur qui fait tout. C'est monsieur qui fait tout ça là. Superstar ça qui n'a pas gardé l'autre bois là. Et puis ça n'a pas gardé. Moi même un détail. Si on regarde comme si détail qui gagne entre jean avec toile africaine. Voilà. Bon, bon donc je pense que designer haïtien tout nous a inspiré de nous ça. Nous a inspiré de ça. Ils font mélange entre jeans là ensemble avec toile africaine typique que nous habitons. Ouais. Garçon pour fille, n'a vient tout barré là. Ouais. Designer a fait un bel travail. Monsieur, ok, ici là, il y a toujours, oui. Ça, c'est Union Africaine, qui c'est Union Africaine. Ouais. Qui présente, mais monsieur, c'est Togo, le soir. Monsieur, c'est Togo. Ah, je suis capable de dire, monsieur représente plusieurs pays. Monsieur représente pays, là, plusieurs en pays. Afrique, là, là. Ouais. Ça, c'est Mexique, toujours. Ça va? Ça, c'est Mexique, toujours. Ouais, ça, c'est Mexique, Temascalapa, l'île dans l'Estado de Mexico. Ok. Voilà. Ça, même si ça, qui a présenté, ou même. Et ça de Mexico. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est plus. Pratiquement, c'est ça qu'on produit dans la zone artisanat toujours, qu'on produit dans la zone là. On poupée. Caméraman, montrez-nous là. Ça, c'est bodé. On poupée. On poupée bodé. Cœur. Ça, ce sont des souvenirs que nous avons une chance pour acheter là. Ah, ok. Voilà, mais on va montrer-nous comment on fait exactement. Gracias. Buenos días. Ok, vinoué. Y donde tejemos los rebozos. Los rebozos son estos. Exactamente. Saúl y rebozos. Interesante. Gadi, ¿me cómo lo hace exactamente? Yo parlo de una demostración. Está típicamente artesanal. Oui. Parce que là, c'est corde y puis c'est. Oui. Oui, c'est plat, c'est bois. De pacata ici. Voilà. Faut-il pocher pour nous, s'il vous plaît? Montez-le avec Michel Fer. Ok. Voilà. Regardez bien mon yo. Pour nous voir mécanisme que m'a utilisé là. Pratiquement toute filionnette, regardez comment il a entrelacé entre eux. Puis capable de créer ça qui nous entend de monsieur Dia, il est en échappé me la rapide. Rebozo. Comment? Rebozo. Rebozo. Rebozo, voilà. Bien intéressant. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y eso más o menos cuánto tiempo tarda para hacer algo así. ¿Cuánto tiempo un café para hacer yoga? Nos tardamos más o menos como unas en tejerlo unas 3 a 4 horas. 3 a 4 horas cada prenda. Tú a 4 horas. Tiene otro procedimiento, hacer okay. Los rollos de tela. Okay. Montarlo en estelar. Claro, claro. O sea, casi es un procedimiento de 2 semanas. 2 semanas. O una semana. O sea, una prenda. Ajá. Más o menos. Ok, normalmente, tant que simplement pour faire base là. Impresionante. 3 temps à 4 temps. Mais pour qu'a fini le net, gens qui n'a pas gardé là, yo qu'a prendre 10 semaines environ chaque grain là-dedans yo. Intéressant. Muchas gracias. Gracias, amigo. Wow, regardez, on va découvrir une culture et pays différents qui vraiment vraiment intéressant. Ouais. OK, on va continuer vol ici et on va aller voir. Italie. Nous gain Italie là. Italie c'est rad seulement parce que rad c'est mode. Ouais. Voilà. On va aller en Italie. Comme mais... on peut comparer, ça veut dire là peut-être c'est pas seulement ça qu'on veut vendre. Quand il y a l'autre tout pour Italie là. Mais là nous capable exactement qui ça Italie gagne là. OK.
que festival là pour commencer. Il peut commencer. Ça c'est préparation, installation qu'a fait. Et puis nous mêmes nous prend devant pour nous faire une introduction de comment ça est, OK? Ça pour ouvrir. Kazakhstan. Nous gagne Kazakhstan pour ouvrir. Russie qui a préparé. La Russie pour ouvrir. On aller, on continue rapide là. Bangladesh qui est en Afrique. OK, viens on regarde Bangladesh qui là. Bangladesh, nous avons cosmétiques et nous avons des habillements traditionnels de la Caïe. Voilà. Bangladesh qui est déjà présent là. Robe typique de Bangladesh. Mm-hmm. Moun qui allé Bangladesh déjà. Voilà comment ça est. Ça vide, ça va gagner un pays là. Nous avons Guatemala qui là. Voilà, ma bitié ouais, j'en de ouais, Guatemala bon. Ya, yeah, ma bitié ouais, j'en de habillement ça. Cap, est-ce que c'est bon Guatemala ou pas? Oui, yeah, un monde qui passe Guatemala déjà qui fait petit temps Guatemala, touriste Guatemala mené. Regardez pour nous. Est-ce que ça ouais, c'est ça? OK, bref, nous va prêter tout parce que ça mon gagne temps ouais, c'est toujours dans cadre artisanal, non? Ouais. Ou bien artisanal toujours. Style. Tout partie ça c'est artisanal. OK. N'a vire bon ici pour nous équiper et nous joindre là exactement. Là nous gagne Oaxaca, Mexico. Ouais. Oaxaca c'est un état dans Mexique là. Buenos días. Ça c'est Oaxaca, Mexico qui là. Et normalement ça c'est rad et art typique de Oaxaca qui n'a besoin là. Font petit poche pour nous. Allez briches. Voilà. Bordado. Voilà. Et un pile bel souvenir là de Oaxaca. Et c'est là n'a besoin tout bel souvenir ça. Tantôt moi bonito hein. Mais il y a quelque chose, il y a quelque bail qui semblait avec quelque habillement Haïti là, non? Oui. Bon. Moi ça, c'est tout. Bail Bodeo. Yeah, c'est tout bail Bodeo, ça par exemple. Oh là, oh là. Comment se llama? Alebrije. Alebrijes. Alebrijes de Oaxaca, c'est comme ça. Un monde qui regarde film Cocoa. Ah, voilà. Il y a film Cocoa qui c'est un film qui est basé sur Fête des Morts. Exactement. Mais son caricature, ce... non? Ouais. Alors, Alebrijes. Dessin animé. C'est des animaux fantastiques qui sont typiques de Mexique. Ça, je te dis, voilà. Le monde pas te connaît. Ce monde pas te connaît. Ça veut dire vivre dans l'autre monde, eux-mêmes. Exactement. Et c'est, non, même... c'est des animaux. Bon, ce n'est pas les français, c'est des animaux imaginaires. Imaginaires, ouais. Voilà. qui pas existe forcément. Donc, par exemple, n'a pour que dans le film Coco a dessin animé, nous voyons que les chiens sous la tête, ils ont une forme chien normale là, mais ils ont un monde de mort. Ah, allez. Ils semblent exactement même couler ça. Là, nous avons. Ok, Aguascalientes qui est toujours là présent, ensemble avec des objets qui sont pour ensemble avec Fête des Morts, toujours dans le carabel ça. Ok? Et pas de trop à montrer là. Aguascalientes, by touristique. Toujours à Aguascalientes dans Bossa. Le Sénégal avec nous. Voilà, mais Sénégal. Les okay. Frères de Sénégal, ça va? Sénégal, pas bon ici. Voilà, mais Sénégal, quand même, on avait dit. La montre Sénégal, il est à Aguascalientes dans Bossa. Voilà, Sénégal, c'est bijou. Et puis, ouais. Typiquement, des, bon, la moelle de Mac Kony. Quand on a dit d'Askila. OK. Frère africain. Ouais, ça va? Manger tranquille, pas un problème, frère. Alioli est un substitut de mayonnaise. Ouais, Haïti. Ouais, nous sommes haïtiens. Haïti. Ok, et on continue. Estamos grabando un video, más tarde. Regresamos más tarde. Por ver, no se paga. Ah. La tele. Póndelo. Ok, es como. Vaya. Así. Interesante. Que nos vamos a ver más pro, ¿o qué? Checa la mía, póntelo. Oh. Checa la pantalla. Ok, mes amis, ¿cómo es? Ah, ¿estado de México? ¿Por qué? ¿Por qué? Lunette spéciale que yo gagne. Tant que lo regardé en el écran, o el écran blanc, ¿sabes? Protección video que pasé là-dedans, mais lo mete lunette là. ¿Se puede hacer con la cámara? Exactement tout ça que pasé là. A ver, vamos a intentar. No va a essayer pour con la cámara para ver. Es que camera que va a ir. Bon, essayer, bon, va a acercar. Ok, voilà. Meni, on a regardé l'écran blanc, mettez le plus bas pour nous. OK. Mais l'homme était là-dedans, voilà. Est-ce que nous ouais? Lunette là seulement là-dedans. Lunette là, mais ouais, li blanche, l'homme était lunette là, boum, ouais vidéo qui a passé là-dedans là. Ah là là.
Barato, como la carne de gato. ¿Y esa tecnología cómo se llama o qué? ¿Cómo se llama la tecnología? Vista de águila. Vista de águila. Es de tecnología sagrada, vista de águila. Tecnología très intéressante. Tako, nous te ka mete kan téléphone nous comme ça, moun pa ka wè, et puis l'on mete lunettes là, ou après dans téléphone nous, ça que moun yo pa ka wè. En el sol se oscurece como arte de magia, y en la noche se aclara. La nuit, ou après li clair, li transparent, mais le soir, en el sol se oscurece. En el sol se oscurece como arte de magia. Ok, la nuit li clair, ok, mais depuis li fait dans soleil, ou après li tourne en lunettes, soleil. Mon Dieu, qu'a pensé la noche aclara. En la noche aclara, ça veut dire le soir, après tout le bail clair avec. Mon Dieu, qu'a pensé Rance, n'a pensé Léonard. Mais non, mais dans mon Dieu. Mon nan wè linèt la. Mais son linèt normal. Fòk moun nan wè linèt la. Donc, fòk nou ta approché. Vision nocturne. Vision nocturne. Vision nocturne. Et quoi? Ok, jusque là. Donc, mes linèt la. Monte le bouè, monte le bouè. Monte linèt la. Boum, mes vidéos qui passent dans l'écran. Côté, manque wè bien. Oui, moi, y'a mes vidéos, mes vidéos. Intéressant. T'es chargé. Ok. Ok, gracias. Sí, amigo. Volveremos. ¿En cuánto están? ¿Qué precio? ¿En qué precio andaste? Barato no es un precio. Todos los que están aquí. 150 pesos avant. 150 pesos. $7. ¿Todos los que están aquí cuestan lo mismo? Todo, todo. No, al ratito vamos a regresar con ustedes. Interesante. Yo ocupo unos amarillos. Visión nocturna. Jim, no, es que no es moquela. Ya dicen bien. Sí. La mamá de toda esa capacidad ahí con la. Mira. Eso me gusta, ¿eh? Bon, on continue, non, parce que nous avons fait un paquet de temps là. Ça, c'est Ciudad de México qui est présenté là. Ciudad de México, c'est technologie, il vient de présenter. Technologie. Estamos en Haïti, ahorita regresamos con ustedes, ¿eh? Estado de México. Regardez là, nous avons Estado de México qui a présenté nous des produits. Qui vous dit ça, oui? Parce qu'il y a plus de temps à passer ici, là, frère. Hola. ¿Qué tal, hermano? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué es lo que venden? Salsas y golden milk. Ah, ok. Salsas y sos picante. Sos picante. Sí, golden milk, ver. Là, c'est sí, son type de lettre. Ben, ouais, exact. Milk. Yeah, c'est lettre. Mais là, je vais pas mon goûter. Là, ça, ça, oui. Là, ça, c'est de grain. Oui, ça, c'est noir. Ah, il va goûter et par exemple avec différentes sauces qui viennent là, vous pouvez voir qui est. Tiene el poquito, o sea, no. Bien mermelada, que empiece los bailes. También tiene salsa macha. Sí, de este lado, hermanito, tengo salsa macha. Si salsa macha es este. Ah, ahora. ¿Es picante? Sí, sí. Ah, que me imagino. ¿Qué le pareció la daranda, no? Gol si a fond goûter là. Non, mais goûter la macha, goûter. Depuis ces bagages, il m'a envie. Il pique en pile. Goûtez-vous. Merci beaucoup, mon frère. On va en piquer en pile là, papa. On a paix. On continue, non? On continue. Non, il pique. Nous avons tabasco là. Tabasco, c'est chocolat. Il y a chocolat tabasco présenté là. Que expone tabasco? Hola, nous traemos chocolate artesanal. Voilà. Chocolat artisanal. Les estamos haciendo una presentación de las casetas, okay, de que representan para un video de YouTube. Ah, muchas gracias. Sí. Pues tenemos de varios sabores, hay de menta, de café, cardamomo, mango, plátano, chile. Si les gustan más amargos, tenemos, no sé, del 70 al 80%. ¿Quieren probar uno, chicos? Sí, sí, claro que sí. Chocolat. Todo el mundo ama chocolat. Okay. Pensé que ya parlamos de diferentes. Sabe chocolat qui gagne là. Ese es un chocolate de mango con chile. Mango con chile. Sí, mango con chile. Mango con chile. Sí. Chocolat mango avec o sea, chile chile. Ah, sí, sí. Chile chile. Tima. Pero pique, ¿no? Ese pica al último. Al final es como. Ah, ok. Lo commencé a manger, il pas pique. Voilà, ya siento el picante. Lo commencé a manger. Ou pas pour le piquer, non? Mais c'est un chocolat. Non, le fini, la fin, elle a senti un petit piqué. Quel état les parecidos? Super. Regresamos en breve. Muy bien.
Vamos a seguir con el video. Claro que sí. Gracias. Luego muchas regresamos. Gracias. Soy amante del chocolate. Bon, et nous avons Iran là. Oh, vraiment Iran. Intéressant. Qui ça Iran présente? Et pas pour moi avec Tiba et Piqué à toujours. Non, moi-même campé là. Non, moi j'ai le là, nous avons Iran. Qui ça Iran gagne? Hola. Hola. Iran gagne billet avec mon pays. Il a venu garder pour nous. Elle dit nous acheter un billet comme souvenir de Iran là, même si beaucoup j'aime plus les Iran. Elle a gardé l'argent Iran. Disculpe, est-ce que c'était voilà, là? L'argent. Ah. Monnaie ça ou gagne tout fait pour nous mettre comme médaille dans chaîne. Monnaie Iran, vraiment intéressant. Hein? Ou va son billet Iran? Voici. Moi-même, m'a suivi toujours. Je n'ai rien à souvenir. Oui, je suis. Qu'est-ce que un billet de Iran? 50 pesos. 50 pesos? ¿Cuánto valen pesos mexicanos? ¿Esos son cuánto? ¿Cuánto es? Que no veo. 15, 20. ¿Esos 15, 20 pesos? ¿10 mil? Sí. ¿Cómo se pronuncia? Rial. ¿Lion? Rial. ¿Liol? Sí. 10 mil liol. ¿Esa es una flor? Es rosa. Es rosa. La rosa. Sí. Bon, interesante. Premier bagage m'a passé dans foire internationale là, c'est un billet Iran. Nous connait pour qui ça m'a passé? C'est parce que nous déjà a fait une collection billets ensemble avec monnaie chaque pays que m'ta va visiter. Pourquoi aller en Iran, pas connait si m'a privé, mais m'a kembe souvenir ça. Ok, excusez-moi. Ça a coûté 50 pesos mexicains, Meni. Ça c'est 10 000 lions. Baronne, je le dis, non? Comment ça s'appelle? Lial. 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 Ah, reals. Meni, reals. 10 000 reals. Qui c'est l'argent Iran? Connais-moi vraiment. Ah, ok. Reals. D'accord? Voilà, 50 pesos mexicains, premier acham dans foi international là. Premier acham, oui. Et je dis à l'ambassade, on a campé dans Iran, parce que la vidéo est déjà longue, nous avons environ 28 minutes. Ok, gracias. Nous avons environ 28 minutes. À nous faire une conclusion et voici. Oui. Parce que maintenant, la vidéo est trop longue pour nous. Oui, donc, nous avons campé là. Et il y a plusieurs autres bagailles, non seulement artisanat, gastronomie, il y a performance, performance vocale, performance et danse, performance, un paquet de types de performance. Donc, on a fait camper qu'on y a là. Oui, on a fait camper dans la partie vidéo ça. Et puis ça qui est vraiment intéressant, c'est performance Haïti. Ça cap suivre là. On a pas le performer, on a pas le performer. Non, pas en général. Ah oui, en général, ça n'a pas le présenter. Ok, et ça cap suivre là qu'on y a cette cérémonie ouverture foire internationale. Cap fête à 6h. À 6h pour aujourd'hui.